Salut à tous, j'ai été chercher le big bag de sable pour pouvoir finir là, pour faire une pente un peu plus douce, pour après remplir avec des cailloux, pour qu'on puisse passer. Donc le but, donc ça sera de refaire là, de faire le tour, et le but c'est de pouvoir en fait après refaire une pente douce, pour cet hiver pouvoir descendre, si on veut passer le Duster ou autre, on pourra passer. Bon, la Clio passera pas, mais c'est pas grave, on s'en fout. Au moins, le Duster, il pourra rentrer si un jour on a besoin de le rentrer pour rentrer un truc à la maison ou machin. Et ça évitera qu'il soit dans la rue tout le temps, parce que ça patouille vachement l'hiver. Et au moins, ça patouillera ici, mais là, vu que c'est du sable, ça patouillera moins. Du coup, voilà, donc on se retrouvera, je sais pas quand, pour faire ça. Là, je suis en train de. Voilà, donc là, j'ai fait mon petit entourage avec du fer à béton pour quand je coulerai il y aura ça. Je vais sûrement en mettre un autre bout là, mais bon ça c'est pas très intéressant, donc je vous retrouverai plus tard quand tout sera préparé. Bon, voilà, à tout à l'heure. Hop, du coup voilà, j'ai tout préparé comme ça. Donc ça pour l'instant c'est fixé, mais pour l'instant je vais pas couler là. Je vais déjà m'occuper un peu des côtés, etc. Parce que de toute façon il fait déjà très chaud et il fait un peu chaud pour faire le béton. Pourtant il est que 8h du matin, mais on est déjà en train de cramer. Du coup j'ai tout préparé hier soir. Voilà, j'ai mis mes ferrailles, je les ai attachées, même si elles sont pas hyper bien attachées. Le fil de fer est un peu de la merde, donc du coup il casse. Mais bon, de toute façon c'est pas grave. Du coup j'en ai mis plein de couches, mais c'est pas super super. Bon, ça dépanne. Du coup, bah voilà, donc je vais sûrement couler un peu à droite, un peu à gauche, je vais voir. Mais je vais pas en faire beaucoup, beaucoup. Je vous fais voir à la fin quand j'ai fini. Ouais. Bon, du coup j'ai eu un petit souci, du coup j'ai fait ça, cette partie-là, j'ai mangé presque un quart de mon sac, presque. Mais surtout, j'ai mangé là un sac de ciment et je peux pas continuer. Car mon ciment a pris l'humidité, du coup il est mort, et en plus là il fait déjà très chaud, donc du coup je vais stopper pour aujourd'hui. Ce que j'ai déjà fait là, c'est que j'ai fait mes, on va dire, deux rampes, on va dire, ça fait la largeur d'une voiture, comme ça si j'ai besoin de passer le Duster, et ben moi je pourrais passer, par exemple pour aller au garage, par exemple pour la machine à laver, etc. Ça nous aurait bien dépanné. Bon, alors voilà, donc je vais laisser ça comme ça. Et le reste, bah, je finirai quand j'aurai du ciment. Et puis voilà, bon, bah, voilà. Je vous tiens au courant. Dans la vie, il y a des gens qui sont intelligents. Et puis il y a les autres. J'ai commencé à couler, ça c'est sûr. Les gaines. Ça fait des plombs que je dis qu'il faut que je les mette, machin, et tout. Je me suis dit, je vais les mettre avant de couler. Je les ai pas mis. Ça me saoule. Ah, je m'épuise. Yop, il fait beau. Du coup, je vais en profiter pour essayer de continuer un peu ça. Donc, bah, bon visionnage.
J'espère que vous allez bien. Du coup, comme vous avez vu, c'était une vidéo. On a fini le seuil du portail. On est content, c'est terminé. J'ai fait une petite pente comme ça. Quand je vais remplir en cailloux, ça viendra se coller contre la pente et ça s'en ira pas, je ne sais où. Et puis voilà. Donc ça, c'est fait. On est content. Du coup, à la fin, on s'est rendu compte sur une bétonnière, il y a un sens. Hein. Donc, si vous le savez pas, il y a un côté où on peut l'utiliser et l'autre côté, on peut pas l'utiliser. Il faut regarder l'écran. En fait, il y a un côté où il y a beaucoup plus de cran que l'autre. Donc ça, on a découvert ça, mais à la fin, on saura pour les prochains coups. Du coup, ce qui est important à retenir, c'est qu'au moins le portail, c'est fini. Il me restera juste à le souder quand il fera pas mauvais dans l'hiver. Ça, c'est pas très grave. Pour l'instant, je peux pas le souder parce que le jour où il va venir avec le camion, il faudra que je l'enlève. Donc, si je le soude, après, je suis coincé. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo mise au point. On va essayer de refaire un petit truc qui est un peu plus éclairci parce que là on avait attaqué partout, on n'a rien fini, il y a eu des trucs, des machins. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Bon bah voilà, voilà le résultat fini. On se retrouve ce soir, soit demain pour le démoulage. Ouais, du coup, voilà, ça donne ça pour l'instant. Donc on est donc c'était une journée et demie, un truc comme ça, 2 jours, presque 2 jours. Bon oui, on va dire 2 jours. Ça fait à peu près 43 heures. Du coup là je vais essayer de démouler ça. Donc bon, je vais pas vous filmer, je vous fais voir après ce que ça donne. Bon voilà, je viens de démouler, ça donne ça. Bon, je suis pas hyper content de mon taf, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est qu'une réhausse entre parenthèses de regard. Et c'est pas très 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 grave. De toute façon, quand j'aurai peut-être un jour où j'aurai un peu de ciment en rab, ce que je ferai, c'est que je rebalancerai dans tous les petits défauts là. Puis voilà, de toute façon, c'est pas bien grave. C'est juste histoire de dire. Puis ça va pas, on recommencera. De toute façon, on est aussi là pour apprendre.